Il y a peut-être plus le même fond aussi, tu vois. Non, non, mais t'avais commencé parti, c'était un silure. Oui, t'es. Tu l'as? Oui, oui. Ouais, bien joué, Alex. C'est trop. Oui. Hey, salut à tous, c'est Kexi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'une vidéo silure en barque, donc, première sortie de la barque en Loire. Donc c'est la première fois que je la prends. Excusez-moi pour mes réactions qui sont assez élevées. Je prends une voix aiguë, je commence à crier. J'étais vraiment dans l'euphorie, j'étais heureux. Mais je vais essayer d'avoir des réactions un peu moins folles, parce que vraiment même moi j'ai envie de me foutre de moi quoi, en vrai. Donc je vous laisse avec la vidéo. Au passage j'aurai quelques petites voix off parce qu'il y a mon pote qui a filmé en même temps, donc j'ai pris ses rushs pour faire la vidéo et tout. Donc il y a un peu de mes rushs, un peu des siens. Il y aura les deux plans pour la touche et tout, donc c'est assez cool. Et du coup je vais essayer de commenter en voix off, ça sera un peu mieux. Bon, un dernier message avant de commencer la vidéo. Je tenais à vous remercier parce que sur la première vidéo brochée on a 6000 vues. Et sur la deuxième on arrive à 11000 vues avec plus de 300 j'aime. Enfin c'est un truc de malade, je pensais même pas arriver jusque là un jour. Par contre les abonnements ils montent doucement, mais c'est déjà un truc de ouf. Mais imaginez si chaque personne sur ces 11 000 personnes, enfin chaque personne qui a aimé bien sûr, avait lâché son petit abonnement. On aurait fait une dinguerie, ce serait un truc de malade. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné, que vous regardez les vidéos et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, là ce sera une grosse dinguerie. Merci à tous, bonne pêche et portez-vous bien. Donc voilà, là on vient d'arriver au bord de l'eau avec Jordan, on a mis le bateau au bord de l'eau, on a mis les cannes, je suis en train de préparer le moteur. On va remonter tranquillement à la Loire jusqu'au spot. Et ma canne c'est une 400 grammes, 800 grammes avec un bouchon de 300 grammes, tout en 100 kg et 50 kg je crois. Donc vraiment on était monté costaud et ça m'a vraiment déroulé à fond. J'ai jamais senti une telle puissance au bout d'une canne en fait. Je vous ai mis quelques petits plans pour que vous voyez un petit peu le déroulement de la session. Il n'y a rien de méchant, la vidéo elle dure 5 minutes, voilà. Donc bah voilà, c'est des petits plans, et si jamais il y en a qui veulent faire des sessions pendant les vacances, je me permettrai d'aller faire quelques sessions avec des abonnés, des gens qui veulent et qui aiment la pêche et qui aiment rigoler aussi, ça peut être drôle. Donc voilà, donc là on remonte doucement la Loire qui sort de crue quand même, là elle était basse mais elle sort d'une crue, donc on remonte dans une fosse et on va essayer de trouver la fosse parce qu'on n'a pas de sondeur, c'est le prochain hashtag et ça arrivera bientôt en vidéo. Une petite balade sûre. Allez. C'est parti! C'est parti! On se retrouve sur le spot! Bon, pour l'instant, pas de touche. On a cru à des instants à des touches parce que le bouchon il avait coulé. Mais plus peut-être des touches de fond, je sais pas. Jojo, c'est parti, regarde mon bouchon, tiens ça, ouais. Oh c'est parti, viens un silure au bout, Jo, mets l'ancre. Attends, laisse-le faire. Mais quel y a un silure au bout. Vas-y, laisse-le faire, je ramène. Jo, regarde mon bouchon. Jo, j'ai vraiment... Vas-y, ferme. Attends. Il est encore dessus. Oh, je crois qu'il l'a rejeté. Attends, il a dû ferrer. Il l'a rejeté, tu crois? Ouais. Ah putain, il était dessus. Il n'y a peut-être plus le même fond aussi, Joe. Non, mais t'as vu comment c'est parti, c'était un... Il est encore dessus. Tu l'as? Oui. Joe, c'est trop gros. Règle bien ton frein. Ouais. Joe, c'est un monstre. Joe, il fait les deux mètres. Non, il a décroché. Non. Il a décroché. Oh non. Joe, il faisait les 2 mètres. Non, tu déconnes. Non, il a décroché. Il a décroché. Non. C'était la fosse. Il est dessus, vas-y, ferre. Attends. Il est encore dessus. Il est encore... Oh, je crois qu'il l'a rejeté. Oh, t'auras dû ferrer. Alex, t'auras dû ferrer. Il l'a rejeté, tu crois? Ouais. Ah, putain, il était dessus. Il y a peut-être plus le même fond aussi, Joe. Non, mais t'as vu comment c'est parti, c'était un silure. Où était? Ouais, tu l'as? Oui. Ouais, bien joué, Alex. C'est trop cool. Ouais, vas-y. Règle bien ton frein. Ouais. Tu vois, c'est un monstre. Alex, un silure, enfin. Non. Il a décroché. Oh non. Joe, il faisait les 2 mètres. Non, tu déconnes. Non, il a décroché. Il a décroché. Non. C'était la fosse.
C'était la fosse, les gens ils l'avaient. Oh, t'aurais dû le laisser faire. Bah tu m'as dit. Bah oui, oui, je sais, mais je pensais qu'il. Mais t'as vu, il avait, le bouchon n'était plus coulé. We'll be right back.